est sacré, car c'est l'occasion ou jamais de retrouver ses amis. Alors sans hésiter, je suis venu jusqu'ici, car Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs. Bonsoir, petite créature de rêve. Oui, d'habitude, bien sûr, notre groupe préfère le rire à la gaudriole. Mais ce soir, en ce dernier soir de l'année, exceptionnellement, vous me permettrez d'être un petit peu tendre et de vous souhaiter à tous, avec vos amis, autant de joie que nous en avons d'être ensemble. Non, mais dans deux minutes, on met un disque, on va danser ensemble. Ce qu'il faut dire avant de commencer cette petite fête, n'est-ce pas, c'est que nous sommes trois camarades, que nous nous entendons très bien, nous sommes également charmants et séduisants. Voilà, et qu'il n'y a de préférence pour aucun d'entre nous. Aucun, et que la jalousie n'existe absolument pas au sein de notre petit groupe. Non, c'est vrai. Écoutez, mes enfants, c'est le réveillon. Peut-être vous avez soif, un petit whisky ou quelque chose. Oui. Et comme ça, je peux chanter une chanson pour mettre un peu d'ambiance. Ah, une très bonne idée. C'est gentil de chanter. Merci. L'amour viendra.
Alors doucement. Doucement, 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 doucement. Ne te brise pas. Voilà. Mais pourquoi vous me faites assise comme une vieille mémère? Non, pas comme une vieille mémère, mais comme une reine sur son trône flamboyant. Voilà. C'est réveillon, c'est le 1er janvier. Et nous voulons te souhaiter une bonne année et déposer des cadeaux à tes pieds. Oui, il nous eût été facile de t'offrir ce que nous savons faire, mais nous réfléchîmes, oui. Nous nous réunîmes et nous décidâmes d'être encore plus exigeants et de faire ce que nous ne savions pas faire. Alors pour moi, par exemple, j'ai appris une chanson de Sacha. Moi, un texte de Jean. Oui, et moi, je danse une danse de Jean-Pierre. Mais voilà. C'est merveilleux, c'est le gala de l'union pour moi toute seule. Oui. Bon, oui, je suis bien gâtée. Bon, qui commence? Jean. Jean, oui, c'est moi. C'était pas très Cassel, tu vois, c'était plutôt Nureyev, je trouve. Oui, c'est jazzy même. C'était plutôt l'exode, je crois. Qu'est-ce que tu fais, Sacha? Attends, moi j'ai préparé un texte à la façon de mon ami Jean-Yann. Je vais me faire un plaisir de déclamer pour vous. Orchestrum resonam. Orchestrum rappel. Illuminationem resplendim. Oboisus juam et resonare musetum per celebrare reveillonus premierum janvierum. Gentilus petulam. Ravissantus petitum anglaisus. Veri parisianem. Suetam tesigum du fond du cœurum. Bonus anum novellus et bonus sanitum. Oui. Ah, c'est fini? Non, je vais dire c'est pas mal, mais d'abord c'est pas très fatigant. Deuxièmement, c'est peut-être un peu distingué pour du latin comme ça. Ah, tu trouves? Oh, c'est bon. Très très bien, Sacha. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je chante. Alors, je chante. J'ai essayé d'apprendre une chanson de Sacha, Les Moustaches. Alors, si vous voulez bien m'excuser à l'avance. Mon père en a eu, mon frère en a eu. Oui, mais ma grand-mère n'en a pas. Grand-père en a une, mon oncle en a une, oui mais ma grand-mère n'en a pas. Le chien en a une, le chat en a une, oui mais ma grand-mère n'en a pas. Pas même une petite, ni une toute petite, non non non, grand-mère n'en a pas. Elle n'a pas une paire de moustaches, de moustaches, de moustaches comme eux. Car si elle avait des moustaches, tous les gens l'appelleraient monsieur. C'est presque aussi bien que moi. Ah oui, à mon avis, c'est même plutôt. C'est vraiment délicieux tout ça, mais je trouve quand même que c'est heureux que vous n'avez pas changé de métier. Je m'excuse. C'est peut-être pas tellement gentil ce qu'elle nous dit là. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui, bon, j'ai compris. Ah, si tu insistes, je vais chanter une chanson. Moi, je vais dire des bêtises comme d'habitude. Alors, moi, je vais danser. Et là, en plus, j'ai appris une petite chanson en anglais, rien que pour toi. Oui, Me and My Shadow. Tu connais? Moi et mon ombre. Et alors, je vais chanter et danser avec mon ombre. Alors, tu ne vas pas la voir parce qu'elle n'est pas là. Enfin, elle est là, mais sans y être. Oui, elle c'était pas, un elle très bon brillante. Partenaire. Alors, Me and My Shadow. Tell our troubles too.
And when it's 12 o'clock, we climb the steps. We never knock. Why? Nobody there. Oh. But me. Me. And my shadow. No. All alone and feeling blue. Pour retourner chez moi, la 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 la.
petites lumières, trois petites lumières qui brillent dans le lointain. Dis-donc, Bébert, t'as vu le duc d'Édimbourg ? Est-ce qu'il est mal sapé ? Ouais, tu l'as dit. Et au fait, qu'est-ce que c'est la tendance pour homme cet hiver ? C'est la ligne près du corps et le col Mahou. Ça prendra pas, c'est pas saillant. Je me demande bien où qu'ils vont chercher des modes comme ça. Ouais, c'est des modèles chocs. Les tailleurs, ils essayent de lancer un style, mais c'est le bonhomme qui dispose. Je vais te dire, mode ou pas mode, on sait bien ce qui nous va. Hein. Et ça, par contre, c'est pas mal. Hein. Oh, c'est trop sport, ça. Trop sport? Ah oui, c'est trop sport. Oh, t'es fou, c'est du daim. Bah, c'est peut-être du daim, mais c'est trop sport. Oh. Ça va pour le golf ou pour le yachting. Bah, une supposition que le soir, tu dois y aller au théâtre ou faire un bridge. Bah, des fois, selon l'endroit où tu te trouves, t'as pas le temps de retourner par où tu mets tes autres affaires. Ouais. Bah, tu peux pas y aller faire un bridge avec des trucs comme ça. Ouais. Ouais, t'as peut-être raison, mais la question se pose pas avec du daim. Oh. Bah, dis donc, celui qui se défend le mieux pour les smokings, c'est bien encore Cardin. Hein. Ouais. Tu vois ? Oh, j'aime pas, moi. Ah. Moi, j'aime que le discret, moi. Moi, j'aime pas, c'est trop compliqué. Tu sais ce que je trouve qui fait chic, moi ? C'est les jabots. C'est chic, les jabots. Ça tient pas chaud, mais c'est chic. Ah. Et les couleurs à la mode, c'est tabac et lit de vin. Lit de vin, c'est pratique. On voit pas les taches. ouais, mais dans les grandes réceptions, ce qui compte, c'est la présentation, pas tellement la nourriture. Et la présentation, c'est une science. Mmh. Tiens, le duc d'Édimbourg, là, quand il a épousé Elisabeth, il a bien fallu qu'il apprenne. Ah ben ouais, mais tu sais, il faut tenir son rang. Hein. Tiens. Une supposition que tu dois recevoir un évêque. Comment tu l'appelles ? Je sais pas. Les évêques, je crois que c'est Excellence. Excellence, t'es sûr ? Ouais. Ah ouais, les évêques, c'est Excellence. Et un archevêque ? Eh ben, un archevêque, c'est la même chose, seulement tu le dis plusieurs fois. Ouais. D'abord, t'as pas à te tromper. Hein. Dans les abbés, tous ceux qui sont en noir ou qui sont en blanc, tu leur dis mon père. Et puis alors les autres, tous ceux qui sont en couleur, tu leur dis Excellence. On sait des trucs, toi. Ouais. Comment on sait que t'as appris tout ça ? Oh, bah, je l'ai lu, quoi. J'aime bien me documenter sur les autres milieux, tout ça. Dans la vie, faut pas vivre plié sur soi-même. Hein. Mmh. Bon, faut ce que je t'en dis, hein, c'est pour ton bien. Oh, remarque, attends, je m'y commets quand même un peu pour les usages, hein. Tiens, pour mettre la table, par exemple. Oh. Moi, tiens. Pour le caviar, eh ben, tu mets pas de fourchette. Eh ben, avec quoi que tu le manges, ton caviar ? Avec des couverts à poisson. Et là, t'en as déjà mangé du caviar ? Un peu, ouais, à la mer. Ouais. Et c'est bon ? C'est fin. Et quel goût ça a ? Bon, c'est un peu comme le thon. Ouais. Ce qui est bon surtout, c'est l'assaisonnement, tu comprends ? C'est pas... ouais. C'est comme le poids. Je vais faire mon lit. Dis donc, Bébert, je pense à un truc là. Ouais. La Buckingham Palace. Il doit bien y avoir un mec qui s'occupe du protocole. Sûrement, oui. Il connaît les usages, ce type-là. Ah. Pourquoi qu'il y dit pas au duc d'Édimbourg qu'il est mal sapé ? Ah là là. Eh bien, fais-tu là pendant que nos amis quittent leurs oripeaux et le pont des arts,
Je voudrais que tu regardes ce petit souper aux chandelles que nous avons préparé à ton intention. Nous passons à table quand tu le désires, du reste. Malheureusement, là, il y a un affreux malentendu, Sacha, parce que, justement, je suis attendue à Londres. Où pour ça? Le réveillon. À Londres. À Londres. Alors, je voulais vous dire merci pour tout et me sauver maintenant. Oh, non, non. Oh, non. Oh, non. À Londres. Tu vas pas partir à Londres. Alors au moins, alors. Pars en chantant, au moins, oui. Ça sera moins triste. C'est pas des gars comme nous qu'on peut prendre au dépourvu, hein? Non. Tu crois qu'on aura assez de champagne? Mais il y en a 24 oui. Bouteilles dans la cuisine et deux caisses de palier. Ouais, et le foie gras? Il y en a 4 kilos dans le frigo, c'est moi qui les ai mis moi-même. Quoi, 4 kilos de foie gras? Et si on a faim au matin? Ah oui, Eh bien, me semble donc que tout est parfait. Oui. Du reste, il est bientôt l'heure, les jeunes filles ne vont pas tarder à arriver. Ils vont intérêt à arriver pendant qu'on est pimpant, frais et vigoureux. Les gars, ça va être un sacré réveillon. Ça s'arrose. Non, mais on n'est pas encore couchés. Hein. Oui, on est vraiment les rois. On a au caméra. Les filles, vous avez un peu de un petit peu de musique. Alors, enfin, Allô, oui. Oui, c'est moi. Ah bah c'est toi Virginie, mais qu'est-ce que tu fais? On t'attend.
Bon, non, mais c'est pas grave, ce que tu veux, je... Hein? Non, 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 ça fait rien. Ben, alors passe une bonne soirée quand même, je t'embrasse. Hein? Voilà. Et qui c'est, Virginie? Virginie, c'est la fille que j'avais invitée. Alors, elle peut pas venir parce qu'elle a... Elle a la grippe. Elle a la grippe. Oui, ah ben oui, un peu dans les sinus, un peu dans le... Oui, elle est un peu enchifronnée, quoi. Voilà, chiffronnée. Elle peut pas venir. Ah, oui, ben c'est l'hiver. Oui, on s'est gentil. Oui, non, mais tu te fous de moi, mais c'est gentil. Bon, ben tu vas pas faire cette tête-là toute la soirée, t'es pas non plus catastrophique. Oh, j'en perds à la guerre comme à la guerre, hein. Oui. Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois, ben, non? Bien sûr, d'autant que je vais tout de suite, pour pas te faire de chagrin, je vais tout de suite retirer un couvert. Tu te mettras en bout de table là-bas, comme non, ça, mais... si tu t'ennuies, tu pourras faire l'oxyde servant. Oh, bah, c'est très bien. Bah, je propose que nous arrosions ça une fois de plus. Oui. La fête continue. Trois copains à la Saint-Sylvestre, sans m'en faire la fête, sans m'en faire la fête. Trois copains à la Saint-Sylvestre, sans m'en faire la fête, avec leur nana. Trois copains à la Saint-Sylvestre, sans m'en faire la fête, sans m'en faire la fête. Allons, j'écoute. C'est l'angoisse. Oui. Bon, ça en école. Ah, toi aussi. Bon. Oui, oh, bah ça va, c'est pas la peine de me raconter ta vie. J'ai compris, salut, bonsoir, à bientôt. Grossier. Avec une désinvolture. C'était Nicole. Bon anniversaire. La jeune fille que j'avais invitée. Ah, une jeune fille, en plus. Messieurs et chers camarades, au seuil de cette année nouvelle, je voudrais vous dire que, contrairement à l'opinion communément admise, quand il y en a pour un, il n'y en a pas pour trois. Par conséquent, je ne suis pas du tout disposé à vous prêter mon matériel. Oh non, mais... Téléphone. Bah, réponds. Non, mais nous, on n'attend plus personne, c'est sûrement pour toi. C'est peut-être une erreur. Non, mais si c'est une erreur, tu peux répondre. Bon, alors, de deux choses l'une. Soyons précis. Ou c'est une erreur, à ce moment-là, c'est pas la peine que je réponde. Ou c'est la fille qui téléphone et c'est pour dire qu'elle vient pas, donc je ne réponds pas. Bon mais autant que les filles, moi, je... Ah, les filles... Ah, les filles, tu... Ah, je me doutais bien. On me l'avait dit. Bon, alors, on va réveillonner tous les trois. On va pas réveillonner tous les trois comme deux imbéciles. Comme ça, oui, c'est vraiment très drôle. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais si on allait à Londres rejoindre Pétula? Il y a un avion dans 20 minutes. Ah, voilà, c'est bonne idée. Très bien. Voilà, et meule avant ça, ça roule. Ça sent là. Trois copains à la Saint-Sylvestre, Oh, ma jambe. Non, rigolez pas, ma jambe. Allez, parfait. Vraiment, Jean-Pierre, laisse-moi te dire. Vraiment? Tu es une bonne âme, un noble cœur. Un brave ami. Deux copains à la Saint-Sylvestre, sans m'envers la fête, sans m'envers la fête. Deux copains à la Saint-Sylvestre, sans m'envers la fête, avec les là. Deux copains à la Saint-Sylvestre, sans m'envers la fête, sans m'envers la fête. Deux copains à la Saint-Sylvestre, sans m'envers la fête, avec les là. In our dreams to find that little castle in the air. When worry starts to cloud the mind, it's hard to leave it all behind and just pretend you haven't got a care. There's someone else in your imagination. You wish that you were standing in their shoes.
Vous voyez, j'ai beaucoup d'amis ici. Peut-être vous ne les connaissez pas. Peut-être il faut que je les présente. Hein. Alors, je commence avec... oui. Avec ces trois jeunes gentlemen. Monsieur. Enchanté. Ce sont des gentlemen en plus. Ça existe hombre, encore. Hombre et gentlemen. ces trois jeunes hommes sont... les scaffolds. Chanson magnifique. Celui qui chante au milieu, c'est le frère de Paul McCartney. Il est merveilleux. Très mignon. Thank you very much for the Aintree Iron. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the Aintree Iron. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the birds and bees. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the birds and bees. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the family circle. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the family circle. Thank you very much, thank you very, 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 very much. Don't know how much they all mean. They seem much better in my dreams. Thank you very much for the Aintree Iron. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the Aintree Iron. Thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the Sunday joy. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the Sunday joy. And our cultural heritage. National beverage. Being fat. Union Jack. The nursery rhyme. Sunday Times. The nap and bomb. Everyone! Thank you very much, thank you very, 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 very much. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, écoute, je vais te dire, sans toi, c'était trop triste, on s'en sortait pas à Paris. Hein, y a rien à faire. Et puis alors, un réveillon, c'était pas possible, tu comprends? Hein. Mais où est Jean-Pierre? Oh là là. Jean-Pierre était tellement pressé de te voir que dans l'escalier, boum, et bobo la jambe. Et oui, il a mal? Oui. Non, bon, il a mal, il a mal. Tu sais qu'il est un peu douillet. Ah. Enfin, ça fait un, je suis sûr qu'il nous regarde en ce moment et on pourrait peut-être lui faire un petit signe amical. Oh yeah! Jean-Pierre, la vie continue et puis ici on s'amuse, on s'excuse. Mais c'est une partie et puis la tout vie. Le monde. Sacha d'Estelle, Jean-Yann et je sais. Hello. Hello. Je sais que vous parlez très bien l'anglais tous oh là les là, deux. Si on parle bien anglais. Il y a des très jolies filles, il n'y a pas assez d'hommes. Alors pourquoi vous ne mixez pas avec eux? Oui, mais je vais mixer, très d'accord. Bien. C'est là-bas. Okay. Seul ici, tout le monde vous abandonne, vous êtes là avec votre petite robe en lamé là et tout le monde vous laisse tomber, pauvre petit ange adorable, petite anglaise blonde, comprenez pas un mot de ce que je vous dis, hein. Non, rien du tout. Vous devez être une intellectuelle, vous, hein? 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 Vous êtes une intellectuelle anglaise, je vais vous réciter du Shakespeare, j'ai appris ça quand j'étais petit. Ça va vous plaire, vous allez voir, on va vous épater un peu. When icicle sang by the wall. And Dick the shepherd blows his knell, and Tom Burst looks into the hall, and milk comes frozen home in pell. Oh, ça va? Bien, vous allemande. Allemand? Moi, allemand? Moi, je suis un allemand? Non, mais ça va pas la tête. Non, I am French. I am French. I go from France. I take the plane, the avion, you see, to visit London and meet Petula with my friend, the playboy Sacha d'Estelle. And I profit de l'occasion to send you. You are very ravissante. Et I espère you aussi. Nous allons aller danser, go sur la piste, and cheek to cheek. I serre you dans mes bras puissants, you see. And maybe, peut-être, force de compréhension mutuelle entre l'Angleterre et and the France. We are creating un marché commun tous les deux. Non, pas possible. You understand? Oh yes. Voulez-vous
bière? C'est ça, j'aurais dû amener mon livre, hein. Ça fait rien, mon petit loup. Ça marche pas formidablement, tu sais, je n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il y a? Elle comprend pas ce que je lui dis. Ça marche pas? Ben, ça marche bien, je le vois dans son œil, mais elle comprend pas ce que je dis. Bon, tu vois, pour moi, ça marche très bien parce que je suis avec Paul Jones. Est-ce que tu veux dire quelque chose au français? Yes, hein? I've got a little speech prepared. Il a préparé quelque chose. Je souhaite aux Français beaucoup d'amour et la paix pour 68. Chante quelque chose pour nous. Will you sing something? Yes, I like to sing Sons and Lovers. Chouette. Taylor is rich. Oh mes enfants, c'est les Indes. Je m'excuse de t'avoir enlevé à tes amis, mais j'avais peur que les boutiques ferment. Mais non. On pourrait m'habiller un peu, parce qu'on est à Londres. Hein. Ok, on y va. Ah oui, ben viens, j'attends. Oui, mais c'est pour ça, tu vois. Vous allez essayer plusieurs choses, et je crois qu'on va trouver ici quelque chose pour vous rendre plus séduisant pour les Anglaises. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? On commence avec... Eh, voilà. Ça, c'est Bonnie and Clyde, tu vois. Ah, ça, c'est pour toi. Il va pouvoir. Ça, c'est pas mal. Attends, je vais t'aider. Des fois, c'est un chapeau, non? Ah oui, c'est très bien. Faut prendre un peu là, peut-être un peu. Bien, non? Peut-être un peu reprendre. Oui, il faut un chapeau avec ça. Pas un chapeau pour les gens? Regarde, c'est quoi? Toi aussi.
voit plus clair. Elliot Ness a vu Gabriel Stern. C'est pas mal, mon frère. Ça va pas, ça? Non, c'est triste. Moi, ça, je trouve un peu triste. C'est triste? Ah, oui, non. C'est ça, bonne idée. Attends, j'ai une idée. Attends, essaie ça. Soit quelque chose d'un peu plus sport, parce que moi, j'aime bien gigoter. Un peu plus sport? Regarde, oui. Ah, oh, ben voilà. Attends. Ça va pour ça. Ça, c'est un peu chaud, effectivement. Ouh, regarde, ça. J'aime pas le chaud. Ah, c'est du joli rouge, non? Là, faut que j'enlève ça aussi, là. Hein. Oui. Non, non, non. Ça fait joli, ça. Il y a quelque chose de genre. Tu peux pas me trouver quelque chose comme ça? Ça, c'est le mien. Enlève tout. Oh, oh, bon. Là, prendrais tout. Hein. Tu es plus petit que sa chambre. C'est-à-dire que... Enfin... Il est moins large d'épaule. Il est plus musclé, mais un peu moins gras. Quand tu es plus fin. Mets-toi là. Il est si fin que j'ai faim. Voilà. Oh, ben voilà. Oh, je le chapeau ou sans chapeau? Enlève le chapeau. Hein. C'est bien, voilà. Tu es beau comme ça. Mais j'habite chez mes parents. Fais voir tes grands yeux limpides que je me mire dedans. Okay. Il est bien. Regarde. Je pense à ce que Cassel est en train de louper. Enfin, ça, c'est tout à fait autre chose. C'est beau, ça, non? Hein? Okay, bon, bah, moi, je pense qu'on va rester comme ça. Bah, moi, je sais pas, finalement. Hein. C'est un peu dans le cou. Eh ouais. Il allait vendre ma veste. Attends, je vais reprendre, mais... Okay, je reprends, we'll, je reprends we'll mon bleu de travail. Hein. We'll buy these, OK? C'est ça. Thank you. Je parle bien anglais pour une française. Hein. Voilà. Voilà. Et moi, je reprends ma tenue de travail pour tout à l'heure, hein, quand même. Ouais, ben hein? Moi, je récupère aussi, mais je vais comme ça. Je vais payer. Ah, c'est gentil, ça. Bah, c'est bien. Ben, on t'attend dehors. Hein. Okay. Mon cher camarade. My tailor is not rich. Je crois que je vais remettre mon bleu de travail quand même. Oh, tu n'es pas très amusant, hein? Si, mais je le remettrai après pour sortir. Ok, hein? D'accord. Oui, mais est-ce que tu te rends compte? Il est presque minuit. Minuit déjà? Et il faut faire... I'll take it on my way. Et si on chante quelques chansons? Tu sais, les vieilles chansons de musical et puis... Ah oui, tendre et puis des drôles aussi. Jusque maintenant? Oui. Et puis je crois du reste que ce sera une bonne façon de souhaiter une bonne année à tous nos amis. Hein? C'est une bonne idée. D'accord. Ok, on y va? Allez, on y va. On y va. Hey. Tick follow the vein and don't dilly dally on the wine. We'll all point the vein with me own hat in it. I walk behind with me old cock linny, but we dillied and dallied, dallied and dillied. I lost me way and don't know where to roam. Well, you can't trust the specials like the old time coppers when you can't find your way home. Bonjour. Pour ramener Mimi, ma petite amie Mimi et son jeune frère Toto, j'ai une auto. Je l'ai payé 300 balles chez Monsieur Hannibal, le marchand d'occasion, la rue de Lyon. Oh, je connais une chanson. Une chanson française que j'adore. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. Oh, j'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime. C'est idiot, il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous? Oh, je l'ai tellement dans la peau que j'en suis marteau. Dès qu'il s'approche, c'est fini, je suis à lui. Quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend tout chose. Oh, je l'ai tellement dans la peau qu'au moindre mot, il me ferait faire n'importe quoi, je tuerais ma foi. Je sens qu'il me rendrait infâme, mais je ne suis qu'une femme. Et je l'ai tellement dans la peau. Le plus beau
de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Ici, on fait une chanson de 1944. Tu n'étais pas né. Jitterbug. Ça, c'était les chansons d'hier aussi. Oui, voici une jolie chanson d'aujourd'hui. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the girl I used to be. There's a shadow hanging over me. Yesterday came suddenly. Why he had to go, I don't know. He didn't say. I said so. Que s'est-il passé autour de moi? Tout a changé. La, 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 la. Pour cela, c'est une des plus belles chansons du monde. Tonight, tonight won't be just any night. Tonight there will be no morning star. Des nuits où mon cœur ébloui devinait ton visage et ta voix. Bonne année! Ciao!
Ça peut être changé, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Nous irons chez Maxime, car je suis au régime. J'y suis bien plus à l'aise que la Comédie Française. Manon, Lison, Ninon, Suzanne, Franchon, Guenon.